Donc maintenant que j'ai bien repassé, je vais enlever mon fil de bâtis parce qu'il servait juste à bien maintenir la couture pour aller l'écraser sous le fer à repasser. Donc maintenant, bah, j'enlève mon fil de bâtis. Donc maintenant, vous voyez bien que c'est bien écrasé, donc c'est bon. Vous prenez votre fermeture, vous l'ouvrez. Donc le curseur doit être là en bas. Une fois que vous l'avez ouverte, vous la retournez et vous positionnez le petit curseur, donc ceci, sur le tissu, comme ceci. Et là maintenant, on va les épingler en prenant que la première épaisseur. Donc là, j'épingle comme ceci en mettant bien le bord de la fermeture sur le bord de la jupe en ayant pris donc qu'un côté. Donc là, j'étale bien. Là, je continue, je vais jusqu'au bout. Donc maintenant que j'ai fini ce côté, bah, je fais pareil de l'autre côté en mettant bien au bord ici et en mettant bien au bord là. Donc là, je fais comme ça. Pourquoi je vous ai fait mettre aussi les aiguilles comme ceci? C'est parce qu'en fait, on va essayer de remonter le curseur pour voir si ici les deux coutures tombent l'une sur l'autre une fois fermées avant de passer au bâti. Donc maintenant, je passe mon doigt ici, je récupère le curseur qui est là. Et je vais remonter tout doucement donc la fermeture. Une fois que vous avez remonté votre curseur jusqu'en haut, bah maintenant vous allez prendre votre jupe, vous allez la retourner. On va vérifier si ici, bah, tout tombe correctement. Là, on voit que ça ne tombe pas correctement, donc il va falloir que je cale. Vous voyez ici et ici, ça tombe pas correctement. Donc je sais que de ce côté ou de ce côté, ben, je ne suis pas calée correctement. Donc là, ben, je vais passer. Je retourne sur l'envers de ma jupe et je vais positionner correctement en réouvrant ma fermeture. Donc moi, là, j'ai vu et que c'était ce côté qui n'allait pas. Donc j'ai décidé d'enlever tout de ce côté et de recaler correctement. Donc là, je fais comme ceci, je cale ici et je remets bien mes épingles au bord. Donc, tac, je redescends jusqu'en bas en mettant bien toujours comme tout à l'heure, donc le bord de la fermeture sur le bord de la jupe. Et là, pareil. Donc là maintenant, ça devrait être bon.